Ok, et là on est libre du coup. Salut. Je suis désolé pour ton boulot. T'étais pas le pire prof qu'on ait eu, si ça t'a consolé. Tu crois que je peux mettre ça sur mon CV? Ok, écoute. Ils sont en recherche de photos au New York Bulletin. D'ailleurs, hier, j'en ai envoyé une. Ça rapporte pas une fortune, mais c'est déjà ça. C'est le journal de Robbie Robertson? On a travaillé ensemble au Bugle. Je crois que je sais ce qui lui plairait. Merci, Miles. Y a pas de quoi. Je lui enverrai peut-être d'autres photos aussi, si j'ai le temps. Robbie disait toujours, je veux pas voir la ville, je veux voir New York. Hop là. C'est pas beau, ça? Et voilà. Plus qu'à envoyer, et... Peter, comment vas-tu, mon garçon? Salut, Robbie. Bon, je sais que ça sort un peu de nulle part, mais je voulais juste te dire que je viens de t'envoyer une photo pour le journal. Magnifique. C'est tout à fait ce qu'on recherche. Il faut que je file, j'ai une réunion. Mais si tu trouves l'essence de la vie new-yorkaise ailleurs, contacte-moi. Ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles. À moi aussi, Robbie. Merci. Du coup, ça va nous marquer tous les endroits de photos. Ok. Oh. Est-ce qu'il faut que je débloque des trucs pour voir le reste de la ville? C'est plus grand que... De base, en fait. En fait, on a l'île de Miles. Enfin, le côté Miles et le côté Peter, maintenant. Ça, c'est cool, ça. Parce que Peter, on avait que ça, dans le premier jeu. Et Miles, on avait ça, je crois. Ok. Les gens se jettent au sol, comme ça. Les gens se jettent au sol. Ma grand-mère me dès que je suis là, c'est abusé. Elle empruntait le pont tous les dimanches pour aller chercher les meilleurs légumes de la ville. Un jour, elle est arrivée plus tard que d'habitude et n'a pas pu acheter de tomates, car l'homme devant elle venait d'acheter les dernières. C'est comme ça qu'elle a rencontré mon grand-père. Vous voyez tout ce que c'est, ces cercles? Il n'y a pas vraiment d'indication pour le moment. Et quand on ouvre la porte, on sent la délicieuse odeur du stand de hot. Qu'est-ce que ça donne? On est bien? Si on est bien, tu publies. Sinon, tu supprimes. Tu peux... Là, il y a un cristal. Je savais bien qu'on se reverrait! Demain, mise à jour Fallout 4. Tu vas le recommencer juste pour voir la mise à jour? Ils améliorent quoi en fait? Ils améliorent les graphismes, ils améliorent... J'ai du sable dans les bottes et dans les gants! C'est un cauchemar!
Moi, Fallout 4, en fait, je crois que je vais supprimer le let's play que j'ai fait sur YouTube. Et je vais le recommencer. Tout simplement. Parce que le let's play, il est totalement buggé. Bug, etc. graphique. Après, c'est qu'une mise à jour PlayStation, c'est ça. Hein. Quelqu'un nous observe, Kinya. Et je ne veux pas que tu t'inquiètes. Je m'en occupe. Marco se sentait surveillé par quelqu'un. Et qui c'est ça, Kinya? Xbox PC, je crois. Intéressant. En espérant que les mods restent compatibles malgré la grosse mise à jour. Du coup. Ce serait con que ce soit pas le cas. Ma tenue est pleine de sable dans tous les plis. Il est peut-être temps que je me change. Ah, attendez, je fais le crime et puis on va aller se changer. Mais j'avoue que il y a toujours le truc de des crimes du coin à faire. Ce chauffard a failli heurter quelqu'un. Il faut que j'intervienne. Spider-Man, fonce ! Vous avez grillé un feu rouge. Tu nous auras pas. Pas question. Ça le fait automatiquement? Une victoire de plus pour les gentils. Ok. Et ça donne 50 pièces high-tech. Ah ok, ça donne beaucoup. Et les crimes ne comptent pas dans les... dans les trucs à faire. Ça rapporte juste des pièces en fait. Par contre, ça compte quand même dans la progression. Ok, ok. Le cercle sert à deltaplane. Ah ok. C'est vrai que j'oublie le deltaplane. J'aime tellement me balancer que je sais même pas si je l'utiliserai souvent. Quoi. La tenue disposant de trois styles alternatifs. Toujours préféré jouer avec le Spider-Man de base, moi. Les tenues, c'est pas mon truc. J'ai les 0 points de compétence, ok. C'est juste ça me met les trucs dispo. C'est pour ça que j'ai un point d'exclamation dessus. Et eux, je peux les faire, mais bon. Voilà, on a plus de sable. Salut MJ. Hey, je vais chez toi pour déposer un truc. La porte de derrière est déverrouillée? Je sais pas. Je suis parti en urgence ce matin. Mais je te retrouve là-bas. Ok, cool. Vous êtes bien à l'école, Miles et toi? Ouais, ouais. Pas simple, ce premier jour. J'espère que ça ira mieux demain. Ouais, ça fait aucun doute.
Je te rejoins tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de ce... Wow ! Ça roulait vraiment mal. L'homme sable a mis une sacrée pagaille. T'as l'air de te débrouiller comme une chef ? C'est assez pratique en ville, mais... je crois que la moto, c'est pas mon style. Moi, je trouve que si. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que celle qui a fait le modèle de MJ s'est fait harceler sur Internet. Hein. T'étais tellement content d'avoir ce poste. Ouais. Alors que c'était juste une actrice, du coup. J'ai planifié tout mon trimestre. On allait faire voler un hélico en... Il y a même des gens qui allaient jusqu'à chez elle, je crois. Il y a vraiment des malades. Et on risque d'être deux à chercher du travail. Ah, John a fait le ménage, ça y est. C'est tout comme. Il a mis en place une méritocratie radicale. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui ne feront pas de une dans la semaine seront virés. Dans ce cas, ça devrait aller, parce que tu es leur meilleur journaliste. Y a quoi là-dedans ? Un tas de livres invendus. Je commence à manquer de place chez moi. Mais t'as eu de super critiques. J'en ai écoulé 14. Personne ne s'intéresse à la Simcari. Le Bugle est le plus gros journal de la ville, là je peux avoir un impact. Mais si je perds mon job, je sais pas ce que je vais devenir. Et est-ce que t'as vraiment besoin du Bugle pour vivre ta passion ? J'ai tenté de me faire connaître par d'autres moyens et... 14 exemplaires. Du coup... je dois faire bouger les choses de l'intérieur. J'ai pas eu le temps de faire le ménage. Je mets ça au fond ? Ouais. Je vais juste faire un peu de rangement. Il a une maison, carrément, quoi. Ouf. Mère a hypothéqué la maison pour que le fils ne coule pas. Et moi, je bois la tasse. Il doit 4764 dollars. Par mois ? Mais waouh ! On parle de Paris, mais bon. Je meurs d'envie de jouer à ce truc. Il faut juste que je libère du temps. C'est dommage que tes cours n'aient pas marché. Tu vas faire quoi maintenant ? Je sais pas trop. Franchement, je voudrais pouvoir me déconnecter un peu. Mais je peux pas vraiment me le permettre. Ben, tu pourrais vendre la maison. Je peux pas. Enfin, je pourrais, mais... je peux pas. Si t'as besoin de temps, je veux bien payer l'hypothèque. Non, non, je peux pas te laisser faire ça. En plus, t'as dit que Jonah risque de réduire les effectifs. Je vais pas le laisser me virer. Je sais combien cette maison compte pour toi. On va trouver une solution. Je te mérite pas. Dis, t'as un peu réfléchi à cette histoire de ménage. Carrément des mouches et tout. On en a déjà parlé. Le gars, il est tellement occupé. Je peux pas m'éloigner du centre, c'est là que tout se passe. Mais pense à tous les dîners romantiques qu'on pourrait faire ici. C'était quand, la dernière fois que t'as dîné à la maison ? Bon argument. Hé ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tout ça est à mai ? Ouais, j'ai l'intention de les donner, mais pas tout de suite. Qu'est-ce que tu regardes ? Des vieilles photos de toi trop chou. Ça fait longtemps que je les ai pas vues. Je voulais rester, mec. Je crois que c'était dans ma chambre, ça. Pourquoi elle a pris ça en photo ? Équilibre. Qu'est-ce qu'elle voulait dire ?
Je me demande si c'est toujours là. Je vais aller jeter un coup d'œil. Tiens-moi au courant de ce que tu trouves. Je vais continuer à regarder ces photos que tu m'avais cachées. Oh, trop mignon. Fauteuil de tante May. Comment oncle Ben faisait pour toujours s'endormir là-dessus? Rien là-dessus, non. Ça rendrait bien des bougies ici. Ça se fait des bougies dans les salles de bain, non? Ça a encore l'odeur de mai. La nostalgie, ça frappe sans prévenir. Je suis où est-ce qu'il était, ce trou? Oncle Ben? Quelle classe! Il était plus jeune. Ah ouais, carrément jeune. Avec tes lunettes énormes. Spider-Man, est-il une menace ou un danger public? Votre standard est ouvert. Une menace, une bonne grosse menace, ce taré. Je vais vous dire un truc, soi-disant super-héros. Il n'est ni super, ni un héros. Alors, c'est quoi au final? Un imposteur? Un égocentrique? C'est n'importe quoi! Qu'est-ce qui a fait ce bruit? Quel bruit? Oh, Peter. Oh, j'ai cru entendre un rat dans le mur. Peter, qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas? C'est rien. J'ai juste... Quand j'avais ton âge, j'étais chef du club d'éloquence. Capitaine de l'équipe de foot féminine et deuxième violon de l'orchestre. Tous les ans, je voulais avoir une nouvelle corde à mon arc. Mais quand, en plus, j'ai voulu me hisser au tableau d'honneur, je me suis plantée. Au lieu d'être douée pour plein de choses, je ne réussissais rien. Alors, j'ai levé le pied. La recherche de l'équilibre est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Et je m'entraîne encore. Allez. Vas-y, à ton tour. Mais avait peut-être raison. Je peux pas trop me charger. Il faut lâcher du lest. Je devrais retourner voir MJ. C'est exactement ce personnage-là. Peter Parker donna un coup de poing dans le mur et c'est ainsi qu'Alec Jeanne naquit. J'ai reçu un tuyau. Le Raft envoie des détenus à Ravencroft pour une évaluation. Tu sais lesquels? Non, mais je vais vite le savoir. Oh oh MJ! Harry? Harry! Les médecins m'ont dit d'y aller mollo sur les câlins. Désolé. Harry! Tu m'as manqué. Toi aussi, mon pote.
J'ai appris pour May. Le traitement au symbiote a fonctionné? Je suis désolé. Et comment c'était... l'Europe? En fait, j'étais soigné en isolement ici à New York, mais je voulais pas que vous soyez inquiet. T'as la même chose que ta mère? J'avais. Ouais. À l'imparfait. Je suis en rémission apparemment. Harry, t'es... J'arrive pas à y croire. T'as l'air bien. Je me sens super bien. Oh, il faut que j'aille au boulot. On se fait un truc demain? Coney Island, comme au bon vieux temps. Ça marche. C'est nouveau, ça? Ouais, c'est un loisir qu'elle a découvert en Sincari. Désolé d'être passé sans prévenir. Quoi? Non mais tu rigoles. Tu veux entrer? En fait, j'espérais que t'aurais le temps de faire un tour avec moi. Carrément? Ah, c'est ouf que la Harry Mobile soit encore en service. Je pensais plutôt à se refaire une balade comme au bon vieux temps. Attends, c'est ma vieille bécane? Non, j'ai trouvé sur internet. Mais c'est à s'y méprendre. Ouais, grave. Hé, hey, y a même les autocollants et tout. T'es sûr que c'est pas mon vélo? C'est vrai? Ouais, on va où? Tu verras. Allez, me perds pas de vue. T'es sûr que ça va aller? Oh ouais, je peux te dire. Je sais plus faire de vélo. J'en ai pas vraiment besoin. T'as plus d'énergie que moi au final. Ouais. C'est marrant, même en rentrant dans le mur. Alors, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui t'a autant occupé? Surtout de la suppléance entre deux licenciements. Et puis, je suis le tuteur d'un lycéen. Il est unique. Le vénard. Sans toi, je pense que j'aurais jamais rien compris aux maths. J'ai lu des trucs sur ton ancien chef, le docteur Octavius. Ça devait être dingue. C'est une façon de le formuler, ouais. J'aurais voulu que tu sois là. Harry, pourquoi tu m'as pas dit que t'étais malade? Je serais venu immédiatement. Il a renversé. Mais il renverse des gens. Mon traitement était atroce. Je flottais dans une cuve remplie d'agents actifs. Ça m'a filé des cauchemars horribles. Une cuve? Oh. Un truc expérimental. C'est... extrême. Je suis vraiment désolé, Harry. Attends, on est à Midtown High? C'est ça notre destination, en fait? Je peux ni confirmer, ni infirmer. On dirait que cet endroit n'a pas du tout changé en 10 ans. Oh! Merci. Suis-moi. Pourquoi tu nous ramènes là? On détestait le lycée. Tu te rappelles la fois où Flash et ses potes m'ont bousculé et ont détruit mon ordi? Notre exposé était dedans. Oui, pour le concours des jeunes entrepreneurs. On avait passé des mois là-dessus. Et la présentation avait lieu le lendemain? C'est ça, et j'avais une copie sur une clé USB. Mais elle était dans ton casier. On a appelé l'école, on les a suppliés de nous ouvrir. Mais ils ont refusé, et il était super tard. On était tellement en panique qu'on a fait le tour de l'école, à essayer toutes les portes. Jusqu'à ce que... on tombe sur celle-là. Attends, qu'est-ce que tu... Il fallait jouer avec la poignée. On y va? La voie est libre. Viens. T'es sûr que la clé est là-haut dans ton casier? Quasi sûr. C'est trop bien, on joue le flashback et tout. J'étais sûr. Enfin, je le suis. Mais pourquoi tu reposes la question? C'est Eric Labourique. Qu'est-ce qu'il fait là un vendredi soir? Bah, il écoute le match. Montre-nous pourquoi t'es le rookie du mois, gamin. Tu vas faire partie des plus grands, c'est sûr. Ramène-toi, on fonce. Non, on va se faire griller. Ce petit gars a l'étoffe des champions. Et je peux vous dire qu'on va en entendre parler dans les années. Les fans ont mis tous leurs espoirs dans cette équipe à la pointe. Vise quelque chose de bruyant. Et il semblerait que les joueurs soient au rendez-vous. Non, trop salissant. Attention, plaquage imminent. Oui. Oh,
Super. Viens. Les criminels font comme ça. Du coup, je suis un criminel ? J'ai oublié de te dire, j'ai montré notre exposé à ma mère. Elle a trouvé ça vachement bien. Elle avait une critique quand même. Pas très légal, ça. Elle aurait préféré guérir le monde. Oh, sérieux, c'est parfait. Ouais. Quand on sera arrivé à l'étage, ton casier sera pas loin, hein. Cache-toi. Il nous a vus ? Non, je crois pas. On se sépare. On se rejoint au gymnase. Hé, hey, qui est là ? Oh, ça va mal, ça va mal. Alerte. Oh, je vois qu'on a affaire à des petits farceurs, hein? J'aurais bien besoin de recharger mes lance-toiles. Une minute. Je dois avoir des réserves de fluide au labo photo. C'est encore un peu nouveau. Il faut que je m'améliore encore sur le développement. Le gosse doit pas être bien loin. Bon. Bibli, labo photo. Labo photo, gymnase, gymnase, casier. Facile. La voie est libre. En avant. C'était quoi ça? C'est mort. Tenir R2, plus croix, puis relâcher pour sauter au plafond. Hey ! Oh, j'aurais vraiment dû sauvegarder une copie du projet en ligne. Les aérations. C'est forcé. Le royaume des araignées. Le fantôme de Midler. Ok, où j'ai rangé mon fluide de toile ? Dans ton slip ! J'avoue, elle a un petit côté culte des héros. Je sais que je les ai rangés quelque part par ici. Ah, trouvé. Pardon ? Mince. T'arrêtes pas. Ok. Et maintenant, toi. Il faut vraiment que je trouve un moyen d'augmenter la capacité de ces machins pour pas me retrouver à sec. Bon, je vais rejoindre Harry au gymnase. Mon vieux sac à dos. J'avais oublié qu'il était là. Je devrais commencer à prendre des notes, moi. Il sera toujours dans mes pattes, lui. Je dois détourner son attention pour sortir. Et qu'est-ce que c'est ? Attention, je vais taper un sprint. Hop, 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 reste où t'es, petit. Arrête de courir maintenant. Je suis sûr qu'Harry est déjà au gymnase. Je dois faire vite. Désolé pour tout ce bazar. Ok.
Voilà. Qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas de fantôme. Pas de fantôme. Juste une araignée. Parce que franchement, ils ont l'air bien rouillés aujourd'hui. La vache, je croyais qu'il t'avait eu. Il faut qu'on chope cette clé et qu'on se tire d'ici. On passe par le gymnase. D'accord. Il y a tout qui me revient. On n'avait pas froid aux yeux. Cet endroit est resté le même, mais sans le garde qui nous poursuit. Du coup, on a le temps de se faire quelques paniers. T'es sûr d'être assez en forme ? Je te retourne la question. Vas-y, espèce de frimeur. Un peu rouillé, ça fait rien. À toi. Bien visé. Je suis vraiment trop content que t'ailles mieux. Sincèrement. Merci. Au fait, j'ai pas vu comment t'as transformé la maison de May. J'ai encore rien fait. J'étais occupé et... Je sais pas. Ça me fait bizarre d'y toucher. Je comprends. Ça a vraiment pas dû être facile. Te presse pas. Ok. En avant. Pas moi qui tire, ça joue tout seul. En tout cas, MJ t'aidera pour la déco quand elle s'installera. Je sais pas trop. C'est pas son truc. Je sais pas si elle voudra me rejoindre. Oh. Ça a l'air de bien aller entre vous. Elle était devant chez toi. On verra bien. Comme toujours, avec le temps. C'est quoi le score ? Alors là, aucune idée. 3-0. Non plus. Merci de m'avoir amené ici. J'en avais bien besoin. Moi aussi. Mais c'est pas terminé. Ah, je connais ce regard. Qu'est-ce que tu manigances ? Tu saurais retrouver ton ancien casier ? Tu crois qu'il est passé où, ce gardien ? Sûrement dans le bâtiment ouest. Alors on chope la clé USB dans ton casier et on se casse. Désolé, j'ai une grosse faim. Une fringale là, pas possible. Je me suis commandé à bouffer du coup. Payer pour avoir pété ton ordi. Non, laisse tomber. Mais on peut pas le laisser s'en sortir. Il est capitaine de l'équipe de foot. Moi, je suis deuxième voix à la chorale. Bien sûr qu'il va s'en sortir. Notre meilleure vengeance, c'est de gagner le concours demain. Là-dessous, dépêche-toi. Il faut qu'on le renvoie dans l'ascenseur. J'en ai marre. J'ai déjà ratissé cet étage 3 fois. Je suis en train de perdre mon temps, là. Y a quelqu'un ? Qu'est-ce qui se passe ? Disparu. Clairement, j'ai eu du bol. Oh, ouais ! Vas-y, prends la clé et on s'arrache. C'est quoi ce truc ? Non mais sérieux, comment t'as... Vas-y. Prends-le. Oh, la poisse. Qui est là ? Ah, super. Et lui aussi, il fait partie de la surprise ? Non. Cours ! Oh. Hey ! T'abuses ! On va se faire arrêter ! Faudra d'abord qu'il nous attrape. C'est pas ce genre de nostalgie que je préfère ! T'as toujours la clé ? Ouais. Y'a plus qu'à passer ces portes. Et le tour est joué. Ouvrez, c'est la police. J'ai appelé les flics, vous allez avoir des ennuis. Vas-y. Mais... retiens-les encore un peu. J'ai une idée. Bah attends, je fais quoi, moi ? Tu te fais pas choper ? Ah ouais, j'oublie tout le temps. Oh non, la clé USB.
C'est vous qui avez appelé ? Oui, ils sont quelque part par là. D'accord. Vous fouillez la salle. Nous, on prend sa déposition. Bon, maintenant, isolez le garde pour récupérer ma clé USB. Je suis sûr qu'il se planque dans le coin. Mais... Wow ! On prend une photo. Ça dure plus longtemps. Et deux ! Allez, les enfants ! On sait que vous êtes là ! C'était quoi, ça ? Mes hommes cherchent. Mais on a besoin de votre déposition. Vous avez vu quoi ? Eh ben, Rick Lavourique... enfin, je veux dire, le gardien de l'école, il a entendu des trucs. Mais vous savez, il se fait souvent des films dans ce genre-là. Des films ? On peut savoir ce que vous entendez par là ? Eh ben, il tire parfois des conclusions hâtives. Ça fait des années qu'il croit que l'école est hantée. Mais c'est pas un fantôme. C'est des gamins qui se foutent de nous. Des gamins ? Ils sont plusieurs ? Bon, ça, je peux pas en être sûr, mais ça me paraît évident. Vous avez vu quoi, précisément ? Eh ben... Il est tout seul. C'est le moment de tenter la figure du pickpocket à l'envers. J'ai vu ça dans un film. Ces gamins... et leur super débile. Je vais me retrouver juste comme au-dessus si j'avais lui. Le temps pour ça. Jerry doit être en train de m'attendre. Je l'ai. Hein ? Oh, comment je me sors de là, maintenant ? C'était quoi ça? I just wanna tell you how I'm feeling. Sale gosse, il est dans le bureau. Gotta make you understand. Il le ricrole. Never gonna let you know. Ok, c'est tout pour moi. Ah le con. C'est bon. Ça a carrément appelé les hélicos, quoi. C'est pas la police. C'est son vieux. C'est mon père. Papa, je t'ai dit que je t'appellerais en rentrant. C'est ta mère. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Peter, tu nous excuses une minute. Quoi, ça ? Avec notre présentation, on aurait gagné à tous les coups. Il s'est passé un tas de choses en 10 ans. C'est un miracle qu'on soit là tous les deux. J'ai eu une seconde chance, et je compte bien en profiter. Mais je veux que tu sois à mes côtés. Wow, ça fait... beaucoup d'émotions d'un coup. Tu devrais passer au labo demain, pour te faire une idée. T'as déjà un labo ? Je te ferai voir quelques-uns de mes projets, et on en discutera plus longuement. Ça marche ? Ça marche. Pete, on va guérir le monde. On aurait peut-être qu'ils lui disent qu'il est Spider-Man. C'est son meilleur ami après tout. C'est qui c'est Kraven ? Ouais, c'est Kraven. Vous avez le feu vert. Escadron K1 en approche. État des lieux ? Le manoir et l'arène sont presque achevés. Éclaireur, au rapport. L'homme sable nous a échappé. On doit faire une croix dessus. Alors, ce n'était pas lui. Bien reçu. En attente de vos ordres. Soyez prêts pour le transfert demain. Et ne me décevez pas cette fois.
Je m'appelle Miles Morales. Et je meurs d'ennui rien qu'à lire ça. Je le sais moi aussi. Hey Miles, t'es occupé? Fais ce que tu veux, je suis partant. Soin d'aide pour une mission de babysitting, alright? Ça a l'air cool. Tu m'expliques en route? Regarde pas comme ça, pas. Je m'accorde une pause. Hola, mijo. Ça se passe bien, ton essai? Ça se passe. Mais je vais faire un tour. Puis t'as besoin d'un coup de main. On va juste... Je préfère ne pas savoir les détails. Eh, ça va aller, moi. Espera un momento. Tu sais, il y a eu pas mal de nuits récemment où tu t'es retrouvé à travailler tard et où moi aussi je travaillais tard. Eh ben, en fait, j'étais pas au travail. Mais regarde pas comme ça, je suis pas recherchée par la police. C'est juste que... j'étais à des rendez-vous. Galants, en réalité. Ah, d'accord. Et il y a cet homme que j'ai déjà vu plusieurs fois et... ça se passe plutôt bien. Où tu veux en venir, moi? J'aimerais bien l'inviter. Je ferai du patelon. Je suis sûr que je peux me trouver des spider trucs à faire. Histoire de vous laisser tranquille. Non, je voudrais que tu le rencontres. Et qu'il te rencontre lui aussi. Mais si ça te met mal à l'aise, je comprendrai parfaitement. Non. Tu sais, tu m'as eu à patelon. À plus. Ok, bien sûr. Il faut que j'aille au raft. Ces couloirs de vent pourraient me propulser. D'accord, c'est ça. Un autre, là! Un courant ascendant! Wow! Je commence à choper le truc! Encore un courant d'air! Je vais prendre de la hauteur! Tu es un écureuil volant! J'adore quand il y a du vent! Tu es un écureuil volant, Harry. Miles, je suis en train d'arriver au raft. T'es en route? Super! C'est pour qui le babysitting? MJ a appris que Scorpion va être transféré à Ravencroft. Le centre est à court de ressources pour l'encadrer, depuis que l'homme sable partage sa cellule. Il faut jamais sous-estimer Scorpion! Je serai là! Hé! Hey. C'est encore un cristal de mémoire de Marco. Pas le temps! Je devrais m'en occuper. J'ai cru que c'était du vrai babysitting. Attends, t'es plus venir. J'arrive à temps, on dirait. Ils leur laissent leurs armures aux... aux méchants en prison. T'arrêtes pas, Gargan. À moins qu'elles soient incorporées à son corps. Paré pour le deuxième. Le deuxième? Je croyais qu'on surveillait que Scorpion aujourd'hui. Non.
Miles. Miles. C'est bon. Ça va aller. Les chasseurs. C'est pas la saison des feux d'artifice? Il faut aller voir. Du rouge? Du jaune? Tu penses à la même chose? Surveillez bien les prisonniers! Prends la gauche! Protégez le bateau! Sur ma position! Je savais que j'aurais dû faire des étirements. Ta tête fera un superbe trophée. Il est possible d'esquiver les attaques lourdes. Parer. D'accord. Oh, ils sont tranchantes ces lames. Vous venez de loin, on dirait. Voilà, c'est Spider-Man. Au cas où vous seriez pas au courant, ces types sont ultra dangereux. On a vraiment intérêt à les garder en prison. Ne mêle pas de tout ça. T'as rien à voir là-dedans. D'accord, on annule le cocktail de bienvenue alors. Cible verrouillée. Spider-Man, c'est quoi ces espèces de brutes? J'espérais que vous le sauriez. On vous couvre. Empêchez-les de monter à bord. Ça marche. Tirez leur défense. À portée de tir. En formation, arrêtez-les. Submergez les gardes et détruisez les portes. Ils cherchent à entrer dans le bateau. Ils veulent Scorpion, Ellie. On doit les arrêter. Qu'est-ce que vous leur voulez à ces types? Vous avez déjà l'air assez nombreux dans votre club. Tu le verras. Ce sera un moment glorieux. Je ne raffole pas de ce genre d'annonce. Ça n'arrête jamais. J'ai un visuel sur la cible. C'est des riens. Le cirque est pas pire. Ils ont la technologie du vautour. Vous êtes quoi? Des mini-vultures? Bizarre, il l'a pas senti venir. Ne vous laissez pas distraire par les araignées. Notre proie est à l'intérieur. C'est après Scorpion et Ellie qu'ils en ont. On peut pas les laisser entrer dans ce navire. Allez, descendez-le. Spider-Man, je te couvre. Belle entrée. T'as vu ces types? Ils ont des thunes et de la technologie. Ouais, ils sont pas là pour rigoler. Ils ont l'air ultra motivés pour récupérer Scorpion ou Ellie. Ou les deux. Si jamais ces gars s'échappent de là. Reste concentré, Spider-Man! Sa présence est inattendue. Non, mais pour de vrai! Vous êtes qui?
chier. Il y a au moins un truc de clair. Ils savent ce qu'ils veulent. Spider-Man, comment ça va? Eh, flotte. Tu vois le truc des hydres, là? Avec toutes les têtes qui sortent. Mais voilà, l'ennemi est dans les cordes. Faites-le voir les flèches. Assassin's Creed. J'espère que c'est de notre Spider-Man que tu parles. Parce que je mesure 1 cm de plus que lui. Au moins. Qu'est-ce qui se passe? On doit libérer le bateau. J'essaie encore d'arracher ces trucs. J'aurais besoin de quelques conseils du roi Arthur. Je m'en occupe. Il y a du monde à l'intérieur. Je vais aller les chercher. Oui, ils sont rentrés en ville avec ça. A priori, ils étaient invisibles. Ils avaient un camouflage. Spider-Man, remonte te mettre au sec! Dès que j'aurai fait sortir tout le monde. Ça va là-dedans? J'essaie de sortir. J'en profite pour vérifier s'il reste pas de civils. C'est pas beau à voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gardes sont à l'abri? Allô? Ah, pas de signal. Vaut mieux pas traîner. Wow! Ça se casse sérieusement. Dans la nature? Je dois prévenir Spider-Man. Je vous sors de là! Restez calme! Ça se voit quand même, genre il y a un trou dans la circulation. Le conducteur derrière va chercher à accélérer et rentrera dedans. Non, accès électrique. Ça m'a l'air prometteur. Là, c'était un bateau et des avions. Pas pareil. J'espère que Peter a retrouvé Scorpion. Ces gens n'ont pas conscience du danger qu'ils vont libérer. Je suis là! Je vous le jure! Allez, système de secours. Montre-toi. Ouais, trop cool. Le niveau de l'eau monte. Faut absolument que je trouve une autre sortie. Il y a un fort courant électrique par ici. Même moi, je peux le sentir. Faut pas que ce garde soit touché. Il va se faire carboniser avec tout ce courant électrique. Je vais vous demander de vous éloigner de l'eau, d'accord? Il faut que je draine l'énergie en trois. Ah. En fait, c'était Scorpion. Merci mille fois, petit. Je vous ai sauvé. Vraiment. Poison hallucinogène. Non. Papa. Oh,
pas réel. On a Scorpion en visuel. Super-héros. Peut-être que tu t'accroches là où les autres abandonnent. Pour le trip psychédélique. C'est si paisible sans Miles. Maintenant que tu es Spider-Man, j'ai plus à m'inquiéter. Tu vas manquer tant, micro. Non. Avec le nouveau petit copain. Il y a tout qui lui tombe dessus. Il faut que je sorte de là. Il faut que je les retrouve. Développe un nouveau pouvoir. C'est bon. On le tient. Non, Lee, tu t'en sortiras pas. Qu'est-ce qui se passe? Ma puissance bioélectrique. J'ai du mal à la contrôler. Le poison de du scorpion a réagi. Mais du coup, vu qu'il se trouve dans un wagon, est-ce qu'on peut appeler ça un wagon lit? Ah putain. C'est quand les prochaines vacances, je sais pas. Mais j'en ai besoin. Je sais pas qui vous êtes, mais vous auriez dû choisir une autre ville. Tu t'en sortiras pas. Je suis pas si naïf que ça. Ah.
fils pour tuer. Je crois qu'il en reste plus. Lâchez-moi un peu! Faut que j'arrête cette hélice! Je peux pas entoiler l'hélice avec cette brute qui me tape dessus! On tient! Combien de fois je vais devoir vous le répéter? Lee reste avec moi! Libéré ou pas, hein. Au moins, les premiers secouristes sont là. La police cherche encore, mais y a aucune trace d'eux. Ça donne quoi en amont? Y a que des décombres!
c'était qui ces types? Je sais pas, mais ils sont à la pointe de la technologie. Sans compter qu'en plus, ils ont Scorpion, Ellie. Hé, hey, quel que soit leur projet, on les trouvera et on les arrêtera. Ouais. Pete, quand j'ai vu Lee sur ce bateau, mes pouvoirs, ils... Tu crois que son énergie s'est mélangée à la tienne? Franchement, je sais pas. Mais ça a l'air... instable. Je sais pas d'où vient ton bleu électrique, mais ça nous a sauvé la vie tout à l'heure. Hé. On remettra Lee dans sa cellule. C'est promis. Me mets pas en vent, s'il te plaît. Tu vois pas que je me prends la tête? Interdit de bouder. Allez. Change rien, Pete. Tiens le coup, Miles. Ok. Éclair en chaîne. Alors, compétences, on peut monter 3 trucs. Je choisisse. L2 plus croix pour charger et... Ok. Ça peut être sympa pour être plus rapide.